Non, vous êtes là depuis le tout début. Ah oui, même avant d'ailleurs. 2013-2023, 10 ans de BPI France, 10 ans de fierté, la fierté d'être aux côtés des entrepreneurs. Un ADN fixé dès le départ auquel nous sommes restés fidèles. Cet engagement constant, nous le mettons en œuvre au quotidien, à la direction de l'international, de la stratégie, des études et du développement, en nous projetant dans l'avenir et au-delà de nos frontières. Je vais vous en parler en tentant de résumer ces 10 ans en 10 points. C'est parti. L'une des grandes décisions les plus structurantes lors du lancement de BPI France a été incontestablement celle de consolider un plan stratégique annuel, fédérant le management, les équipes et les actionnaires. Chacun de ces plans stratégiques a façonné le futur à court et moyen terme de BPI France, en adaptant ses objectifs, ses outils et ses moyens en fonction de la macroéconomie et des besoins des entreprises. C'est un exercice exigeant, mais ô combien utile, qui demande de comprendre les grandes tendances du marché, d'être à l'écoute des clients et des parties prenantes. Le socle du plan stratégique, c'est une connaissance fine des clients, une vision globale des transitions de l'économie et un benchmark international. Le premier pilier stratégique que je citerai, c'est celui du guichet unique pour toutes les entreprises françaises, depuis la start-up jusqu'au grand groupe, avec une structure intégrée afin de leur proposer non plus seulement des produits, mais des solutions à leurs besoins. C'est le premier pilier stratégique de BPI France que nous avons réussi à mettre en place en quelques années seulement. Une vision assez unique qui nous a demandé de décloisonner les métiers et les équipes pour être toujours plus efficaces. Aujourd'hui encore, lorsque je discute avec des collègues étrangers, ils nous envient cette organisation que nous mettons au service de tous les entrepreneurs. Le deuxième pilier stratégique que nous avons développé pendant toutes ces 10 dernières années, c'est de ne pas limiter l'action de BPI France au territoire français, mais d'avoir une portée internationale et européenne. Nous sommes un acteur européen depuis le début. Comme le veut la loi actant la création de BPI France, nous nous appuyons sur les dispositifs de la Banque européenne d'investissement, la BEI, pour maximiser notre capacité d'action. Nous avons entériné cette coopération lorsque nous sommes allés, dès 2012 à Luxembourg, Nicolas Dufourcq, Arnaud Caudot et moi-même, pour la signer. Depuis, notre dimension européenne n'a fait que se renforcer. Premièrement, nous participons à la distribution des plans européens en coopération avec la Commission européenne et le groupe BEI afin d'obtenir pour nos clients entrepreneurs des produits et des financements auxquels ils peuvent accéder plus facilement. Deuxièmement, nous participons aux réflexions de la Commission européenne sur ces grandes décisions réglementaires. Notre connaissance profonde du terrain est importante pour la Commission. Nous sommes aussi actionnaires du Fonds européen d'investissement, dont je suis administrateur. Nous entretenons également des relations étroites avec nos homologues européens comme KfW en Allemagne, CDP en Italie, HDBI en Grèce ou Invega en Lituanie. La dimension internationale de BPI France, dont je vous parlais, nous l'avons aussi portée au-delà des frontières européennes, dans le monde entier, en reproduisant d'abord la success story de notre modèle BPI France, ce fameux guichet unique. Nous avons ainsi accompagné la structuration d'organisations similaires dans d'autres pays du monde, notamment en Afrique. Nous encourageons aussi le développement de communautés interconnectées entre investisseurs et entreprises au niveau international, comme nous l'avons fait avec Euroquity en Europe et en Afrique. Enfin, nous établissons des partenariats avec nos homologues internationaux, notamment les grands fonds souverains, pour lesquels nous servons de porte d'entrée d'investissement dans les entreprises et les fonds français. L'Afrique est un axe fort de notre stratégie internationale, d'abord pour sa proximité géographique et culturelle avec nous, mais aussi parce qu'il s'agit d'un débouché essentiel des PME et ETI françaises. L'Afrique est également une zone d'investissement via nos fonds Averroes. Depuis 20 ans, ils ont permis d'investir 190 millions d'euros dans 30 fonds généralistes de capital développement, capital risque et capital transmission, qui ont eux-mêmes levé 4,4 milliards d'euros pour créer ou maintenir 40 000 emplois dans une quarantaine de pays africains. À la création de BPI France, nous avions une autre volonté stratégique, doter la banque d'une capacité de production d'études, d'enquêtes et d'évaluation d'impact. Avec deux objectifs, produire des études accessibles aux dirigeants d'entreprise pour les guider dans leurs choix stratégiques, mais aussi mesurer l'impact de notre action en tant que banque publique d'investissement. Pour cela, dès 2014, nous avons créé BPI France Le Lab, le think tank interne de BPI France. Le Lab produit des études et des guides pratiques stimulant la réflexion stratégique et managériale des chefs d'entreprise.
dans le but de former les dirigeants à des thématiques nouvelles, par exemple la décarbonation de son entreprise. Tout ce contenu est disponible en ligne, ouvert au grand public, et nos publications sont aujourd'hui autant lues en interne que par les entrepreneurs, les milieux académiques, politiques ou médiatiques. Nous produisons aussi des enquêtes de conjoncture, des travaux d'évaluation, des veilles sectorielles, des suivis de risque pays, l'indice entrepreneurial des Français, les dossiers projecteurs pour les créateurs d'entreprises et nous coordonnons les travaux de l'Observatoire des PME. La RSE et le développement durable représentent enfin le dernier pilier de notre stratégie chez BPI France. Il a fallu prendre conscience qu'on ne peut pas demander la même chose à une entreprise de CAC 40 et à une petite PME. En 10 ans, nous avons réussi à créer une prise de conscience sur l'ESG. C'est maintenant un incontournable pour le management des chefs d'entreprise et nous divisons l'ESG en 4 parties. Le développement de l'emploi, la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la qualité de la gouvernance et du management, notamment grâce à l'intégration des femmes, et enfin la transition écologique et énergétique, c'est-à-dire la transition climatique, mais aussi la préservation de l'environnement et de la biodiversité. La force de BPI France, c'est son dynamisme et sa capacité d'adaptation. Nous avons su faire évoluer nos stratégies au fil des années. Nous avons su donner une attention particulière aux PME et ETI qui souhaitent se développer. Actuellement, notre développement se fait autour de 3 grands axes stratégiques principaux. La transition climatique des entreprises, la réindustrialisation, l'innovation et l'export. Nous sommes fiers de vous accompagner chaque jour et nous vous donnons rendez-vous dans 10 ans. Ben, j'ai oublié de poser la question, est-ce qu'on le fait bien point par point?